Le diable lui-même. Ce serait intéressant de compter tous les pas. Des millions de morts pour ce diable suisse. Alors là, je suis en Verdun. J'ai dormi là, il y avait énormément du vent. Alors je trouve un énorme cratère de bombe ici, c'est énorme. Il y a sûrement encore de bunkers là en dessous. 1 million de morts, il y a sûrement encore plein d'hommes là, sous mes pieds là. 1 million de morts dans très peu de temps, peut-être une semaine. Mais tu penses, il a fait Saint-Cyr, l'armée, l'école militaire, ce général? Non, c'était prévu. C'était la noblesse pharaonique qui ont joué. L'Européen, les uns contre les autres, pour qu'ils meurent, pour les remplacer avec des Africains et des musulmans, et tout le monde entier, là. Allez, réveillez-vous. C'est pas les Juifs ou l'ennemi de l'intérieur. C'est l'aristocratie, les mecs dans leur château qui ont toujours gouverné. Réveillez-vous, nom de Dieu. Regarde ce cratère, tous les hommes morts. Pour rien, pour rien, pour rien du tout. Ce sont tous les menteurs, tous ces politiciens pharaoniques, franc-maçonniques. Regarde le film, La bête suisse base du diable, ou L'enfer suisse satanique. Européens, levez-vous. Alors ici, le V de Templier, comme Churchill, il a fait le Vive au Victory. Victory. Sur le, donc il n'y a rien à voir avec la paix. Hein. C'est sur un truc octogonal, comme octogone de nazi Templier et la Suisse. Ici, à Verdun. Là, regarde les traîtres, 1 million de morts dans une semaine. Ils nous ont, on est une race élevée. Ils ont envoyé l'homme. L'obélisque, le symbole de la domination pharaonique. Encore d'autres traîtres. Voilà. Ici à Verdun. Alors tout ce truc, ça a été constitué de toutes les métaux qui ont tué les hommes. Quelle honte. C'est comme ils nous riffent plein dans la gueule, ce qu'ils font là. Octogone de Templiers suisse, tu vois. Quoi de V de Templiers. Ils se foutent de nos gueules. Alors il est là, le traître qui a envoyé les hommes dans la guerre, mais il regarde son nom. Sar, hein, comme Sarkozy, comme dans un sarcophage, ça veut dire le roi, dans le démotique pharaonique. C'est un aristocrate pharaonique qui nous pousse dans la guerre. J'en ai jamais vu un truc pareil sur une vaste terrain. C'est vraiment, il y en a partout de trous, de bombes, de cratères de bombes. Partout, partout. Toutes ces gens tués par des bombes, par la noblesse pharaonique, qui font entretuer des peuples et des gens. C'est leur façon de faire la guerre. C'est interdit de dormir ici, mais bon. J'étais tellement moche, j'étais fatigué. Alors le monument de guerre ici à Verdun, c'est immense. Regarde, tous ces Français, Allemands là. Il y a même une mosque. Assalamu alaikum. Pharaonic colors, it's all here. François Mitterrand. 33e degré maçon, Helmut Kohl. Octogone. Et regarde, là. Les croix suisses, fleurs d'alis, des châteaux, des lions. Là, il y a encore des lions, là. Alors, qui a fait cette guerre, hein? L'aristocratie là qui est derrière. Et regarde ces hypocrites.
Ils marquent paix, pax. Quel hypocrite. Ils disent jamais plus de la guerre. Mais c'est ça qu'on voit. Hein?